la France avec deux parents artistes. Mon père était clown, ma mère magicienne. Et j'ai passé toute mon enfance autour des galas, des spectacles, dans les salles des fêtes et dans les grands endroits. J'ai grandi là-dedans et je ne voyais pas autre chose à faire que le spectacle. C'est ma passion. Moi, j'ai une licence de psychologie. J'étais pas du tout partie pour être jongleuse. Et puis, un peu par hasard, je me suis retrouvée à l'école du cirque de Londres. Là, j'ai appris à devenir jongleuse et puis voilà, ça s'est enchaîné. Plus dans les théâtres que dans le milieu cirque traditionnel. Voilà. Allez, le numéro qui arrive maintenant est vraiment mignon. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Il mélange jonglerie et théâtre. Et vous allez voir, la mise en scène, les décors, les mimiques de Mike et de Karen, tout est là. Ils nous racontent une histoire et ils nous emmènent dans leur univers. Et ça, on kiffe. Petit rapprochement. Non, c'est trop tôt encore. On jongle pas le premier soir sur France 3. Ah bah si, finalement. Mike est un habitué des pistes de cirque depuis tout petit, puisque ses parents étaient artistes, mais il a d'abord fait des études littéraires, et très vite, l'appel de la piste a été plus fort, et il est parti à Kiev pour apprendre le jonglage dans une des meilleures écoles de cirque du monde. Regardez leur complicité. Et vous imaginez bien que pour être aussi coordonné, ça demande vraiment beaucoup d'entraînement. Et Karen, que vous voyez avec sa robe rouge, a d'abord fait des études brillantes, mais c'est sa passion aussi pour le cirque qui l'a emportée. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Va-t-elle réussir à le déshabiller en jonglant? Ah ben oui, regardez. Ils sont coquins, c'est normal, ce sont des Français. Quand je vous disais que c'était un numéro qui mélangeait jonglerie et théâtre, je vous avais pas menti. Les balles passent de l'un à l'autre sans aucun problème, avec même des rebonds. Bravo, c'est une performance, hein. Vraiment. Bravo nos petits Français, Mike Leclerc et Karen Bourg.
pas fini? Bah non, c'est pas fini. Musique? Alors là, ça part dans tous les sens. Accrochez-vous pour bien suivre les balles. Et ils y arrivent. On continue? Oui. Oui, je crois qu'on peut continuer, Mike. Hey! Notre duo français spécialiste de la jonglerie, de vrais comédiens, je vous l'avais dit. Hein. Ça, c'est du cirque moderne. Karen Bourg et Mike Leclerc vous ont présenté Have a Ball! Eux aussi sont en compétition pour peut-être décrocher un clown de bronze, d'argent ou d'or. On verra dans quelques instants s'ils ont réussi à séduire le jury.